Salut à toutes et à tous, c'est Freezox, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter l'intégralité du pass de combat de la saison 4. Donc c'est parti, on commence maintenant. Donc dans le pass de combat, comme la saison dernière, quand on fait acheter, on a le choix entre le pass de combat normal qui coûte 950 V-Bucks et le pass de combat amélioré avec le pass de combat plus 25 paliers. En gros ça fait plus 30 paliers parce que on a ça. Du coup ça fait le pass de combat plus 30 paliers, enfin ça c'est si vous avez atteint le palier 2 en ayant acheté le pass de combat la saison dernière, enfin bref. Et bah ça vous donne 30 paliers en payant 25 €, ça a 30 paliers plus le pass de combat, voilà. Donc au premier palier, donc quand vous achetez le pass de combat, vous débloquez l'oméga. Donc en vrai il n'est pas comme ça, mais c'est parce que moi j'ai débloqué un truc. En fait niveau 10 vous débloquez l'armure comme ça. Ensuite on a ce skin là, le faucon. Je vais faire que les nouveaux trucs et tout, hein. Ensuite on a ça, c'est nouveau, en fait on peut taguer ce qu'on veut, voilà. Ensuite on a la pioche Zephyr, franchement elle est magnifique, moi je la kiffe. Et je la mets et j'attends d'avoir débloqué la tenue. Enfin j'attends avec impatience d'avoir débloqué la tenue puisque je fais full legit, hein, je ne paye pas. Ensuite on a la page 2 avec le sac réglementaire, voilà, donc palier 10. Ensuite on a l'écran de chargement Rex, encore des tags arc-en-ciel. On a friandise, voilà. Ensuite on a 200 V-Bucks, une traînée rétro-futuriste. Moi je la kiffe. Ensuite on a un skin, la graffeuse. Voilà, parce que c'est le thème de la saison, c'est les graffitis. Et les super-héros, enfin ils sont partis dans un délire, c'est ouf. Ensuite on a la danse bas les masques. Et donc je crois que c'est issu d'une vraie vidéo. Et il n'y a pas de honte à danser. Ensuite on a ressort des bugs et on a le popcorn. Voilà. Donc, c'est assez bizarre mais bon, voilà. Ensuite on a la traînée peinture à la bombe, voilà, donc franchement trop belle. Ensuite on a les ailes de Valora, donc celui-là j'attends avec impatience de le débloquer. Donc c'est leur nouveau style de planeur, franchement propre, très propre. Donc c'est le planeur bravoure, donc comme la comme la pioche Zephyr qu'on a vu à la page 1. Ensuite on passe, mince, j'ai enlevé le truc, je crois qu'on était là, ouais. Donc ensuite on a arc-en-ciel, ça on a la flèche comme ça en graffiti. Ensuite on a le Léviathan en écran de chargement. Ensuite on a la méga sucette en objet de collecte, enfin en outil de collecte. Ensuite on a donc Zoé, Zoé, je sais pas comment ça se prononce. Donc franchement propre ce skin, donc, avec les cheveux verts et tout, voilà. Ensuite on a la foudre, voilà, donc ouais, j'ai tout montré. On a la traînée de concentration foudre, franchement très belle, mais il y a mieux, vous verrez ça tout à l'heure. Il y a respect, voilà, donc franchement classe. On a ça. On a réserve de sucre, ne se prête pas. Ensuite, on a une danse que la plupart des gens connaissent. Voilà. Voilà, Fortnite, ils sont au-dessus, ils sont beaucoup trop. Ils sont voilà. Et Najux, que vous avez vu apparaître dans ma dernière vidéo là que j'ai sorti ce matin. Elle avait dit à Fortnite, en fait, quand on fait start, faire un retour et on peut donner des idées ou quoi, ou n'importe quoi. Et elle avait suggéré ça. Et là, en feuilletant le pass de combat tout à l'heure, je lui ai dit, ouais, Najux, regarde page 8, il y a la danse que tu as suggéré. Et du coup, voilà, c'est assez bizarre. Ouais. Donc ensuite, on a la traînée de condensation cœur, ils sont beaucoup trop loin Fortnite. On a attention au piège, ça c'est pour Skyheart.
On a Ballora, donc celle qui l'ensemble de Zephyr et tout, donc de la pioche Zephyr et tout, elle est beaucoup trop stylée, c'est vraiment trop trop classe. Voilà, après c'est palier 71, du coup il nous reste un petit peu de temps. Voilà. Ensuite, on a 100 V-Bucks, on a Corbeau, voilà. On a Zoé en écran de chargement. Et on a l'intrépide, donc leur nouveau style de planeur, petit et plat. Voilà, franchement stylé. Stylé, stylé. Donc c'est celui du carburant, donc le skin que je vous ai montré au tout début. Voilà. Ensuite, on a la traîne pose d'association étoile filante. C'est la plus stylée, moi je la kiffe. Dès que je l'ai, je la mets. Elle est trop stylée. Ensuite, on a graffeuse, donc elle se graffe. Elle s'autographe, ouais, c'est bizarre. Ah, c'est drôle, elle s'autographe. Auto. Non. On a le chef de section, franchement simple, mais badass. Il est franchement badass. Voilà. Ensuite, on a la danse Groovy. J'ai oublié de vous montrer le corbeau en écran de chargement. Et donc, la danse Groovy. Franchement classe. Voilà. Et ensuite, en dernier, le dernier skin, donc on a l'agent secret ici, 100 V-Bucks toujours, l'agent secret et Omega, donc trop stylé. Et les défis d'Omega, obtenez des styles supplémentaires pour Omega, donc je pense que ça va être comme la première tenue. En gros, l'armure elle va pouvoir se upgrade en passant à des niveaux ou en faisant des défis. Franchement, Omega, il est propre. Il est trop beau. Voilà. Donc, vous verrez dans mes prochaines vidéos tout simplement ses skins et mon avancée. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Et profitez bien. Bon game. À la prochaine. Ciao, ciao.